31 mars 2022. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévision, nous voici encore une fois de plus devant vous pour partager ces temps d'échange, ces temps d'information de ce qui se passe dans notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on est les derniers jours du mois de mars et des choses gravissimes qui se passent dans notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, 5 officiers supérieurs de l'armée de FARDC ont été arrêtés et présentés à la presse hier à Bunia. Nous sommes là dans la province de l'Ituri. Ces hauts officiers supérieurs de FARDC ont été arrêtés pour implication dans la vente des armes aux groupes rebelles qui causent mort d'hommes et désolation dans nos familles à l'est de la République démocratique du Congo. Jusque où nous irons avec ces complicités, cette implication interne, on en parle, mesdames et messieurs, à travers ces cadres d'échange. Aussi, cette information qui tombe comme une boule de neige ou un coup de tonnerre, le ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba, a été évincé de sa chaise depuis hier à l'Assemblée nationale. Plus de 270 députés ont voté pour la motion de censure. Jean-Marie Kalumba est désormais désormais conjugué au passé. L'homme au juste prix de denrées alimentaires, au juste prix de médicaments, ou l'homme au juste prix des denrées alimentaires, l'homme au juste prix de médicaments. Est-ce qu'on peut déclarer à ce jour, à travers cet acte que vient de poser les députés nationaux, qu'il a véritablement la démocratie en République démocratique du Congo, que la chambre basse du Parlement, ce n'est pas une chambre ou une caisse des résonances du pouvoir, mais c'est là où on élabore, là où on légifère les lois en faveur de la population congolaise ou en faveur de notre pays. On en parle, mesdames et messieurs, à travers votre cadre d'échange. Comme je voulais annoncer tantôt, Bayimboka, 5 militaires de FARDC, dont 3 officiers supérieurs, un lieutenant-colonel et 2 majors arrêtés à Bunia pour une implication présumée dans la vente des armes et munitions aux groupes armés, dont la CODECO. Mais également, leurs collaborateurs sont les civils qui sont au nombre des dés qui ont été également arrêtés. C'est une annonce faite par le porte-parole militaire du Nord Kivu, Gilles Gongo, qui nous donne, qui nous livre cette information. Mesdames et messieurs, comment comprendre dans ces pays, comment imaginer dans notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo, les fils, les dignes fils de ces pays qui sont contre leurs propres frères, qui sont ennemis de leurs frères. Comment imaginer aujourd'hui le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a décrété cet état de siège au Nord Kivu et à Ituri? Le chef de l'État a décrété cet état de siège justement pour que la paix règne, pour que la paix soit restaurée à Bunia, en Ituri, pour que la paix soit restaurée à Beni, à Walikali, à Rutshuru, dans tous ces coins-là à conflit, dans tous ces coins-là où les groupes rebelles sèment terreur et désolation. On a dit que nous devons être soudés.
Nous devons être un pour combattre ces rebelles. Nous devons être un pour combattre ces ennemis qui endeuillent notre pays. Ces ennemis qui égorgent nos frères. Mais aujourd'hui, à notre grand étonnement, il y a les officiers supérieurs de FARDC qui sont à la trappe. Les officiers supérieurs de FARDC qui sont complices des exactions que nous vivons dans notre sol, dans notre pays. Comment imaginer? Tu es chez toi à la maison, tu prépares une offensive contre les rebelles, mais il y a seulement ton propre frère avec qui vous avez préparé cette offensive, qui t'est trahi de l'autre côté. Il y a eu des dizaines de morts. Le mois passé, on a compté plus de 60 morts en Ituri. Ces groupes rebelles de Codeco ont fait incursion et ont tué le paisible citoyen, le paisible civil. Au moment où les chefs de l'État se bat bec et ongle pour que la paix règne dans ce coin, non, il y a ce monsieur qui est lieutenant-colonel, vous pouvez imaginer. Un lieutenant-colonel. Des majors au sein de l'armée. C'est-à-dire, ce sont eux qui donnent des ordres à leurs troupes, à leurs subalternes. Mais on voit aujourd'hui un colonel, un lieutenant-colonel des FARDC avec ses complices, les majors des FARDC, qui ne sont pas des Rwandais, mais qui sont des Congolais. Mais ils se donnent le luxe de vendre les armes et les munitions aux groupes rebelles. Nous, la RDC, nous sommes bités à ces problèmes même d'embargo. On obtient des armes difficilement, on obtient des munitions difficilement. Mais voyez-moi, c'est au gradé de l'armée qui se donne le luxe, qui se permet de vendre les armes aux ennemis, de vendre les munitions aux ennemis. Vendre ces munitions, obtenir de l'argent pour qu'en retour, les personnes à qui il a vendu ces munitions retournent vers ses frères pour tuer ses frères, pour faire couler les sangs innocents des femmes, des enfants. Non, c'est tragique. C'est tragique, c'est horrible. C'est tragique. Pourquoi Congolais? Pourquoi être ennemi de ton frère? Pourquoi battre en pâture tout ce qui est en train d'être fait? Pourquoi battre en pâture tout ce qui est en train d'être fait? Félix Tshisekedi est là avec son gouvernement de warrior qui se bat bec et ongle, qui est dans tous les fronts. S'il y a quelque chose, non, il est là. Le commandant suprême des forces armées de notre pays. Il est là, il profile des stratégies ensemble avec les généraux pour bouter l'ennemi dehors. Pour qu'enfin, parce qu'aujourd'hui, on dit la RDC est le poumon d'Afrique. Si la RDC se développe aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui va se développer. La RDC ne pourra jamais se développer s'il y a l'instabilité à l'est et à l'ouest. S'il y a toutes ces formes de d'instabilité, on aura difficile à se développer. Notre beau et cher pays aura difficile à se développer à cause de cette instabilité. Le chef de l'État s'est donné cette mission
avec cette ambition énorme de faire de la République démocratique du Congo l'Allemagne d'Afrique. Comment faire l'Allemagne d'Afrique pour la RDC s'il y a instabilité, s'il y a les complices internes? Lorsqu'on voit un major, on voit un lieutenant-colonel, car la nuit, ils prennent des armes, ils prennent des munitions pour vendre aux rebelles. Après la nuit, ces rebelles tuent le Congolais. Après la nuit, ces rebelles font des massacres, des exactions terribles. Comment imaginer? C'est pour cela qu'on dit, ton ennemi n'est pas loin. L'ennemi de quelqu'un est toujours proche. Le chef de l'État doit faire un balai systématique, un coup de balai systématique à ces FARDC. Comme ils sont arrêtés là, il faut qu'ils soient condamnés à perpétuité. Il faut qu'ils soient condamnés à perpétuité pour donner leçon aux autres complices, aux autres comploteurs de notre pays. Les hommes qui ne veulent pas que la RDC avance, les hommes qui ne veulent pas voir le développement de notre pays, les hommes qui ne veulent pas voir le paisible citoyen congolais avoir des sourires aux lèvres. Non, c'est mirobolant tout cela. C'est terrible, c'est terrifiant même. Un lieutenant-colonel. Le matin, tu es là, tu marches de façon gaillarde, tu fais des défilés, on te donne l'honneur pour défendre les drapeaux de la RDC. Ce n'est pas pour défendre les intérêts d'autres pays, et non pour défendre les intérêts mesquins de ces rebelles. Non, on va en finir avec ça. Nous allons en finir avec tout cela au sein de l'armée. J'espère que le chef de l'État, avec l'arrestation de ces officiers supérieurs de FARDC, le chef de l'État doit agir. Doit agir par conséquent. Le chef de l'État doit agir par conséquent. Il n'est pas temps de laisser toutes ces bouillardaises. Il n'est pas temps de laisser toutes ces bêtises. Il n'est pas temps, il est temps d'agir. Il est temps de poser des actions à impact visible. Cette guerre ou cette détermination qu'a le chef de l'État de terminer, d'en découdre avec tous ces rebelles, d'en découdre avec tous ces groupes qui poussent comme des champignons à l'est de la République démocratique du Congo, j'espère qu'il y aura solution. Parce que ce sont même ces rebelles-là de Codeco qui aujourd'hui, l'état de siège, le mettent mal à l'aise. L'état de siège décrété par le chef de l'État met ces rebelles mal à l'aise au niveau de l'Ituri. Parce qu'il y a l'expédition punitive à tout moment de nos FARDC qui récupère, qui conquiert le terrain, qui conquiert les différentes localités en Ituri. Cessez, mesdames et messieurs, cessez d'être complices. Cessez d'être complices de l'ennemi. Cessez de comploter des choses pour le bien des étrangers, pour le bien des ennemis de ton pays. Pourquoi pas avoir ce sens patriotique? Pourquoi pas avoir l'humanisme, ce sens patriotique, défendre les couleurs de ton pays, défendre l'intérêt de l'ensemble des Congolais, défendre les drapeaux nationaux, défendre ton pays. Si vous êtes dans l'armée, si vous êtes au sein de FARDC, de l'armée ou de la police, défendez correctement notre pays. Vous êtes là pour protéger, défendre
l'intégrité territoriale, qu'il n'y ait pas des ennemis pour menacer l'intégrité territoriale de notre pays. Donc, comment vous vous sentez? Je me demande d'abord, comment vous vous sentez le fait que vous vendez des armes aux ennemis? En retour, ces ennemis font incursion, tuent tes propres frères. Le sang innocent coule. Toi, tu es là en train de boire le champagne. Tu es là en train de rouler carrosse avec les sangs innocents coulés, les sangs innocents versés. Tu te sens à l'aise. Tu te dis, ah, j'ai vendu des armes aux rebelles. J'ai vendu des armes. Est-ce que tu es congolais? Comment vous vous sentez? Je n'arrive pas à imaginer. Je n'arrive pas à tirer, à dégager une conclusion quant à ça. Je n'arrive pas à rêver d'un seul instant. Comment vous faites? Il y a eu des révélations. Il y a même des députés nationaux qui travaillent en connivence avec ces rebelles. Comment vous, au sein de l'armée, vraiment félicitations, bravo aux dignes fils, bravo aux vaillants soldats qui ont pu détecter ces ennemis, qui ont pu détecter, identifier ces hommes. Vraiment, c'est terrible. Bravo vraiment au FARDC. Nous allons continuer. Nous allons continuer de la sorte. Nous allons continuer avec cet élan du chef de l'État, avec cette détermination du président de la République. J'espère bel et bien que la paix régnera enfin après plusieurs décennies de tourmentes, après plus d'une décennie d'instabilité à l'est de notre pays. La RDC, nous avons la foi, nous avons cet optimisme que l'est de la République démocratique du Congo va recouvrir la paix. L'est de la République démocratique du Congo, on parlera plus de morts. On va cesser de se réveiller un bon matin, on a massacré 50 personnes. 11 personnes ont été tuées par les coups de machette. 15 personnes ont été égorgées. On cessera d'entendre cela dans nos oreilles avec cette détermination du chef de l'État qui a l'amour de ces pays. Les ennemis de la RDC, les ennemis du peuple, vous allez trouver la mort. Vous allez trouver la mort comme... C'est de la même manière, lorsque vous trahissez, vous êtes en train de trahir tes frères. Vous croyez que votre mort sera reluisante? Vous pensez que votre mort sera de façon merveilleuse? C'est de la même sorte. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée, comme dit la Sainte Bible. Ayons cet amour. Ayons ce sens patriotique. Ayons ce sens du patriotisme. La RDC gagnera. Si vous, vous êtes contre ce pays, nous, nous sommes pour ce pays. Nous sommes pour la République démocratique du Congo. Nous sommes pour le bon élan. Nous sommes pour les déclics. Nous sommes pour le développement de ces pays, avec cette détermination du chef de l'État, cette vision comment salvatrice pour le peuple congolais. J'espère que nous allons s'aligner derrière le chef de l'État à travers sa vision, justement pour que la paix règne, pour qu'on parle de Congo un pays émergent et non un pays sous-développé, un pays en voie de développement.
C'est ce que nous voulons de ce pays. Ce pays ne va pas se développer en laissant le chef de l'État se battre seul. En laissant le chef de l'État prendre seul les initiatives. Nous devons tous accompagner ces initiatives. Nous devons tous être derrière lui. Derrière le chef de l'État, justement, pour qu'il atteigne son objectif. L'objectif qu'il va atteindre, ce n'est pas pour son propre intérêt. Ce n'est pas pour son propre bonheur, mais pour un bonheur collectif. Pour un bonheur d'ensemble. Pour le bien d'un Congo, pour un Congo uni, prospère, comme disait Mobutu. Congo ben moko, papa bon moko, maman bon moko. Nous devons être unis. C'est dans l'unité que nous avons la force. C'est dans l'unité que nous avons la force. Sans cette unité, il n'y aura aucunement des avancées. Sans cette unité, le RDC ne va pas décoller. Ça, c'est le cadre d'échange, mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévision. On s'est réveillé encore un bon matin avec cette information. Est-ce qu'on peut dire, on peut déclarer à haute et intelligible voix qu'il y a enfin la démocratie? Le Parlement, ce Parlement du nouveau régime, du régime Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était traité d'un Parlement le plus corrompu du monde, d'un Parlement où les initiatives n'aboutissent même pas. Le ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba, a été déchu de son poste à travers une motion initiée par les députés nationaux, Eliezer Tambwe. Eliezer Tambwe qui est dans l'union sacrée de la nation. Le ministre est dans l'union sacrée de la nation. Cette plateforme dont on peut mâcher les mots, dire que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est l'autorité morale. Aujourd'hui, c'est une question, hein, c'est une question à débat. Parce que c'est un cadre d'échange où nous discutons avec vous, fidèles internautes de Congo Live Télévision. Est-ce qu'on peut dire, on peut déclarer que la démocratie a enfin triomphé au sein de l'Assemblée nationale? L'homme au juste prix, Jean-Marie Kalumba, qui avait pour mission de faire de sorte qu'il y ait une réduction de prix des denrées alimentaires, réduction de prix de produits surgelés, que les produits surgelés se vendent à des prix abordables, à des prix répondant aux bourses des Congolais. Est-ce que ça a été fait? Quel a été le résultat? Tellement que le résultat était médiocre. Directement au niveau de l'Assemblée nationale, on a déclenché cette procédure, une motion de défiance qui s'est transformée en motion de censure de ce ministre. Aujourd'hui, Jean-Marie Kalumba est conjugué au passé. Jean-Marie Kalumba est conjugué au passé. On peut dire, on peut affirmer, enfin, il y a la démocratie en République démocratique du Congo. On peut affirmer que les élus nationaux sont libres, enfin, d'initier, de défendre leurs initiatives. On peut dire qu'il y a liberté de parole, liberté d'opinion au sein de l'hémicycle, au sein de la chambre basse du Parlement. Cette chambre basse qui, à travers certaines enquêtes, certains rapports, a été qualifiée d'un Parlement le plus corrompu. Aujourd'hui, un membre d'une plateforme de l'Union sacrée, évincé, déchu par ses propres collaborateurs. Est-ce un signe fort de la démocratie? Qui gagne en ça? Est-ce que c'est le peuple? Est-ce que c'est les députés? C'est à vous de répondre.
Je vous laisse la place, mesdames et messieurs, fidèles internautes, à répondre, à réfléchir, à penser de notre beau et cher pays. Comment faire pour le développement? Comment faire pour l'avancement de notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo? On se retrouve demain, mesdames et messieurs, fidèles internautes. C'était un grand plaisir hein, de partager avec vous ces temps par rapport aux actualités brûlantes, aux actualités qui défrayent la chronique au pays des Patrice Emery Lumumba. On était là, c'était un moment de partage avec vous. Vous pouvez toutefois laisser vos commentaires, laisser vos réflexions au bas de cette vidéo, parce que ce n'est pas moi qui ai le monopole de l'information. Vous aussi, vous réfléchissez. Donc, laissez quelque chose au bas de cette vidéo. On est là ensemble avec vous pour partager des bons moments, pour développer de belles analyses ensemble avec vous pour l'avancement de notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. On se retrouve demain avec le même plaisir qui nous anime d'ailleurs une émission réalisée par Joe Mukenga. Bonne évasion à Congo Live Télévision. Au revoir. We'll be right back.